Ils ont l'occasion de travailler sur un vrai sujet avec un client, un maître d'ouvrage. Donc ça, c'est extrêmement excitant. Nous avions carte libre et il fallait créer donc quelque chose qui soit en rapport avec ce jardin et qui soit pérenne. Et moi, je suis plutôt partie sur l'idée donc de révéler un aspect de sous-bois. Nous, on voulait que cette perspective s'ouvre quand on arrive dans les jardins de Chaumont et qu'ensuite on puisse déambuler dans ce jardin, cette perspective, et après avec toute la végétation que ça amène, avoir un espace vivant et dans lequel on puisse profiter d'un joli jardin. De voir toute la phase de conception jusqu'à la réalisation, ça c'est stimulant. Je suis tout seul en entreprise en fait avec mon patron et là je suis avec ma classe, donc ça apprend aussi à travailler avec d'autres, faire attention aux autres. Ce qu'on apprécie aussi dans ces moments, c'est aussi le partage avec les enseignants. C'est un moyen de voir un peu les nouvelles méthodes, de partager, d'échanger. Cette entreprise-là, elle ne travaille pas forcément pareil que celle qui est venue avant. Donc nous aussi, on peut voir plusieurs manières de travailler. On voit plusieurs points de vue et même nous, on apporte nos idées. Donc c'est un échange après qui est constructif, quoi. D'être ici dans le jardin de Chaumont, c'est vrai que c'est très agréable. Puis ça permettra au moins d'avoir un jardin UNEP à nous et puis d'y avoir participé surtout.